Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors récemment je vous ai proposé la recette des gaufres. Aujourd'hui on va faire des gaufres un petit peu particulières puisque ce sont des gaufres liégeoises bien croustillantes et garnies de sucre perlé à l'intérieur. Allez c'est parti, je vous montre tout ça en vidéo. On commence tout d'abord par diluer la levure sèche dans l'eau tiède. Donc attention, la température ne doit pas dépasser les 50 degrés, sinon la levure n'agira pas. On laisse reposer 10 minutes. Puis dans le bol du robot, on verse la farine, le sucre vanillé et le sel. On mélange. Puis on creuse un puits au centre. On y casse l'œuf, on ajoute le jaune d'œuf, le mélange aux levures, ainsi que le lait à température ambiante. On va alors pétrir le tout à l'aide du robot jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte qui se détache des parois du bol. Quand la pâte se détache des parois du bol, on ajoute le beurre mou à température ambiante. Et on pétrit à nouveau 10 minutes jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte bien homogène. La pâte est prête. On forme alors une boule que l'on réserve dans un grand saladier. Puis on couvre de film alimentaire et on laisse lever pendant 2 heures dans un endroit tiède. Après repos, la pâte a bien poussé, on retire le film alimentaire et on vient la dégazer. Puis on incorpore petit à petit le sucre perlé à la pâte. On forme ensuite des boules de pâte d'environ 100 g chacune. On pèse pour avoir des gaufres régulières et de même taille. Avec les quantités, j'ai pu réaliser 13 gaufres. Puis une fois les boules de pâte formées, on passe à la cuisson. On fait chauffer le gaufrier, puis quand les plaques sont bien chaudes, on dépose les boules de pâte dans les empreintes. On referme rapidement le gaufrier et on laisse cuire environ 4 à 5 minutes. Les gaufres sont prêtes quand elles sont bien dorées. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! Et voilà, mes gaufres liégeoises sont terminées. J'espère que ma recette vous aura plu. Bon, l'idéal, c'est vraiment de les manger tout de suite. Je me fais pas de soucis pour ça. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.